Spienne, en Belgique, se situe près de Mons, en province du Hainaut. Le sous-sol de Spienne est constitué de craie. Sa création remonte à 100 millions d'années. La craie s'est formée par accumulation de squelettes d'organismes microscopiques au fond des mers qui couvraient alors nos régions. Au sein de la craie s'est formé le silex, composé de silice, une masse molle résultant de la décomposition de micro-organismes venus combler les vides laissés par les terriers de crabes, de vers marins ou encore de coquilles d'oursins. À l'ère tertiaire, la mer se retire. Au début du quaternaire, des limons viennent couvrir le plateau. La configuration du site, par ses cours d'eau ayant mis à nu les couches de silex, ses limons fertiles cultivables, attira très tôt l'activité humaine. En effet, le silex étant la matière première de l'outillage préhistorique, c'est dès le paléolithique, vers 300 000 ans, que les premiers hommes fréquentent le site. À cette période, seul le silex de surface est utilisé. Au néolithique, et principalement au 4e millénaire avant Jésus-Christ, une véritable exploitation minière va se développer. L'extraction du silex se fait, à Petit Spienne, par des puits descendant au moins à 8 mètres. À 5 mètres, le puits s'évase en cloche, servant de chambre de recette. Cette cloche traverse trois bancs de silex exploités successivement. Le premier banc est peu exploité. Les bancs suivants sont exploités par des galeries latérales, partant de la chambre de recette. Des piliers étaient réservés dans la craie afin de maintenir un plafond. Lorsqu'une galerie devenait trop sombre, elle était abandonnée et remblayée par les rejets de creusement de la galerie suivante. Nous sommes au lieu dit Petit Spienne. Et nous sommes dans une minière qui fait partie d'un ensemble minier ici à Petit Spienne. Et nous sommes dans une minière préhistorique qui est creusée jusqu'à 8 ou 10 mètres de profondeur. L'ensemble des minières de Spienne remonte grosso modo à partir de moins 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à un peu avant le début de notre ère. Enfin, la craie ici est essentiellement composée de fonds de mer et très anciens. Ce sont des dépôts qui remontent à 100 millions d'années, grossièrement. Par certains endroits, on peut voir sur les parois encore apparaître des fossiles comme des coquillages, des dents de poissons, par exemple, des oursins. Et dans ces fonds marins, la silice qui était en suspension s'est formée en bancs qui donnent actuellement les bancs de silex. Ils exploitaient ici essentiellement avec des pics eux-mêmes faits en silex. En outre, nous retrouvons sur les parois les traces de ces pics. Les blocs de silex remontés à la surface sont dégrossis. Vient ensuite la mise en forme du bloc, selon la destination que l'on veut lui donner. On distingue le débitage de lame et la production de hache. C'est un grain très fin, un excellent silex destiné à un débitage de lame, un débitage à minéraux. Et là, je viens d'entendre une lame à crête. La lame à crête qui est la première lame qu'on éclate sur le nucléus, qui ouvre les possibilités de débitage ensuite pour obtenir ce type de lame, par exemple, hein, comme celle-ci. Voilà. Bon, maintenant, je vais préparer l'angle de rupture ici au niveau du talon. J'ai travaillé beaucoup avec mes doigts sur cette partie-là. Voilà, comme ceci. De façon à éviter ce type d'éclat. Maintenant, j'ai obtenu une concavité hein, sur le talon ici, sur le plan de frappe. Et maintenant, je n'ai plus qu'à préparer le talon de la lame. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Voilà, petite concavité à nouveau
sur le talon lui-même et je vais préparer ce mouvement de mon talon sur cet éperon. Voilà, par aigrisage, par frottement. Voilà. Et maintenant, je cherche l'angle d'éclatement de façon très précise. Alors là, voilà, comme ceci. Elle est toute mignonne, toute gentille. Et bien maintenant, débrouille-toi pour frapper correctement, mon bonhomme. L'empêcher de vibrer avec les doigts. Un peu plus de poids. La production de lames destinées à des grattoirs pour le tannage, encaissées dans un bois pour couper les céréales ou un poignard, conduira probablement à un commerce permettant la diffusion des produits vers les villages. La hache était aussi produite à Petit-Spienne. C'est l'outil du néolithique. Elle est liée au nouveau mode de vie apporté par la sédentarisation, l'agriculture et l'élevage. Au siècle passé, le percement de la tranchée de chemin de fer à Petit-Spienne mettait au jour 25 puits. De nombreuses fouilles furent menées tout au long de ces années. Le site fut classé par la région wallonne et un centre archéologique de recherche minière fut créé. Ce centre est l'auteur d'un projet ambitieux. Présenter au public l'ampleur de l'industrie minière du silex et la vie au néolithique, ainsi que permettre une recherche permanente aux universités tant belges qu'étrangères. Une fouille est entreprise suite à la décision de construire un bâtiment sur les vestiges archéologiques menés par le service des fouilles de la DGATLP, direction de Mons, du ministère de la région wallonne, associé à une ASBL. Les puits sont divisés en quatre quadrants. Dans un premier temps, seuls deux quadrants non jointifs sont fouillés afin de préserver des profils de la structure. La fouille s'effectue par paliers de 20 cm de profondeur. Tous les silex et autres objets sont ramassés. Les terres sont tamisées afin de ne pas perdre le moindre éclat. À chaque niveau de 20 cm, un relevé en plan est réalisé pour chaque quadrant. Ensuite, les 20 cm suivants sont fouillés et dessinés, et ainsi de suite. À 60 cm, le profil sur les quadrants réservés est alors lui aussi dessiné. Les quadrants réservés sont ensuite fouillés de la même manière que les autres. Tous ces relevés et ce travail d'enregistrement ont pour but de comprendre le comblement et le creusement du puits. À ce titre, Spienne figure parmi les plus beaux sites archéologiques d'Europe. Par ailleurs, son étendue et son état de préservation en font un des sites miniers néolithiques majeurs.